Bonjour les amis, ici je vais vous montrer un truc que je vais essayer d'installer. Pour vous montrer qu'il est 5h du matin, 5h30 du matin, et je suis toujours réveillé pour vous dire que au début, normalement il faut travailler très très dur, même les nuits s'il le faut. Donc ici, l'une des choses que enfin, les formateurs ne nous apprennent qu'au dernier moment, c'est les outils. Par exemple, comment arriver à capturer les emails des prospects et ainsi de suite. Ça, c'est des outils. On vous montre comment faire, par exemple, comment procéder pour arriver à monter toute une formation, mais tous les outils, toutes les applications et tout ça, ben, on vous laisse ça caché après l'achat de votre formation et vous vous trouvez comme ça, comme par hasard, devant des trucs supplémentaires à régler. Ça, c'est un autre sujet dont je vais consacrer une autre vidéo. Mais bon, maintenant que j'ai regardé la démonstration, comment faire, j'ai pris des notes et je vais vous montrer, bon, je vais essayer de faire la même chose pour essayer de voir combien ça va me prendre de temps. Normalement, le formateur, celui qui a fait le tuto, il me donne un quart d'heure pour y arriver. On est à 5 heures là, 5h35. On va voir combien de temps ça va me prendre. Moi, j'ai préparé déjà ma page, je vais la chercher. Je vais vous montrer. Bon, là, j'ai encore dedans mon email. Et j'ai organisé beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'ai créé d'autres dossiers qui sont reliés à différents liens extérieurs. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le système IO. Système IO. Alors, système, voilà. Non. Ça, c'est Screencast-O-Matic. C'est le logiciel qui me permet de filmer la capture de la page. Si c'est mieux, il est là. Je l'ai acheté. Ça coûte pas très cher. Bon, il y a différents prix, mais on peut commencer par le basique. Et je vais prendre directement voilà, important, accès lien de la formation. Et je vais le trouver ici. Voilà. Maintenant, je suis dans le cœur de System.io. C'est là où il faut faire beaucoup de choses. Donc, voilà. Je suis obligé de couper parce qu'il faut que je maîtrise pas. Voilà. Je suis à l'intérieur. On me recommande là d'aller dans le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est ça. Et il faut chercher le tunnel de vente. Donc, tableau de bord, je clique. Alors, où est-ce que ça commence? Ça commence. Tableau de bord. Tableau de bord. Ça va arriver. Il faut aller dans tunnel de vente. Tunnel de vente, c'est là-bas. C'est encore vierge, hein, mon truc. Bon, j'ai placé énormément de choses pour m'entraîner sur autre chose, mais bon. Alors, créer en haut à droite. Créer. Je vais créer. Tout ça, c'est pour faire constituer un système pour attraper pour capturer les emails des gens qui vont regarder mes vidéos et qui sont intéressés par la suite. Donc je vais les envoyer sur un formulaire qu'ils vont où ils vont saisir leur email. Et à partir de là, moi, je vais recevoir leur email et bon, maintenant, je prépare le travail pour que tout ça soit fait. Donc, alors, créer en haut à droite, écrire capture, bon, on a dit, bon, là, je vais écrire,
capture email formation YouTube. Capture email formation YouTube. C'est bon. Et puis aller sur construire une audience. Construire une audience, votre audience, c'est ça. Créer. Là, il y a des templates. Ben, ça arrive doucement. Il y a des templates bon, qu'on peut utiliser. Pourquoi ça sort pas? Normalement, c'est ça que je dois qu'on me recommande de choisir. Alors, capture d'email. C'est bien ça. Normalement, c'est celui de droite que je dois choisir. Sélectionner. Ça rame un peu, ce qui veut dire que. Et puis, chemin d'accès. Chemin d'accès, je vais. Dans chemin d'accès, je viens ici. Et je vais écrire page capture. Formation YouTube complètement attaché en petit caractère. Alors page capture formation YouTube capture formation YouTube. Mais c'est ça qui va constituer le lien avec tous mes travaux. Alors, je vérifie page capture formation YouTube. Et là, j'ai ces boutons-là. Donc, ça c'est pour sauvegarder. Ça c'est pour voir la page. Ça c'est pour modifier la page. Et ça, c'est pour changer le modèle de la page. Alors, on me recommande aussi de modifier la page. Modifier la page, c'est bien ça. Je modifie la page. Je pense que le gars, il a fait sa démonstration avec un truc un peu accéléré, parce que ça rame chez moi plus que chez lui. C'est pas ça, c'est pas le modèle que. Ben, de toute manière, bon, je vais essayer de. Bon, il faut essayer de. Je reviens en arrière parce que c'est pas normal. Je prends le même template que lui. Je recommence encore. C'est page capture formation YouTube. Page capture formation YouTube. Et je vais changer la page. Je change la page, ça me sort toujours la même chose. Où est-ce que je vais? Il faut que je revienne encore. Voilà, c'est les aléas de formation. Alors, ça, si je me rappelle, tableau de bord. Tunnel de vente. Et puis. Créer en haut à droite. Là, je suis en train de refaire. Et là, c'est capture mail formation YouTube.
facture. Facture. Mail. Formation. YouTube. Construire une audience. Créer. Et je tombe sur ça. Donc, bon, comme j'ai pas trouvé le modèle qu'il m'a mis, page de capture. Page de capture, c'est bien ça. Alors, bon, je fais ça. Je sélectionne ça. Et je dois encore réécrire ça. Réécrire ça, c'est page capture formation YouTube. Page capture formation YouTube. Page capture formation YouTube. Je change. Normalement là, on va savoir. Bon, voilà. Alors, modifier la page. Je vais modifier la page. Enlever le logo. Il n'y a pas de logo là. Normalement, il me dit qu'il faut enlever le logo. Je n'ai pas de logo ici. Mais en général. En général, c'est que pour changer, pour faire un titre, pour le titre, on prend ça, on le place. Vous voyez là, c'est il y a des carrés pour chaque chose, pour le fond, pour la couleur, pour bon. Et là, j'ai cliqué ici. Et je vais le voilà. Donc là, je peux sélectionner mon texte et je vais écrire bon comment trouver le temps libre dans votre emploi du temps. Bon. Je vais refaire la même chose avec comment trouver le temps libre du temps libre ou du temps libre pour vous organiser. Ça, bon, j'ai placé mon truc là, et là, bon, on va refaire la même chose. Ça, c'est le texte, je pense. C'est le texte. C'est le texte. Voilà. Alors, pourquoi il ne me donne pas? C'est pas le texte. Je sais. C'est le texte, c'est celui-là. Pardon. Je clique là-dessus. Quand je clique là-dessus, je retrouve obtenir le vide. Obtenir le vide. Obtenir le vide. C'est vrai pour toi. C'est pas le même truc. Je retrouve pas le même truc. Voilà. Les surprises. Ça ne représente pas la même chose. Voilà. Ça, c'est le texte. Bloc. C'est pas du tout ça. Bon, ça c'est
je vais peut-être improviser. J'appuie sur vidéo et je vais chercher. Je sais plus. Je vais chercher ma vidéo. Je vais chercher la vidéo. Type de vidéo YouTube. Intégrer, envoyer un fichier, un lien. Démarrage automatique. Bon, ça c'est démarrage. Bouton de contrôle. Marge haut. Retarder la pause. Intégrer à la page, intégrer quoi? Envoyer un fichier, lien direct. C'est quoi YouTube? Bon, il me dit que il y a un truc. Mais je vais prendre n'importe quoi. Je vais chercher n'importe quelle vidéo. Je sors complètement de la formation pour essayer de me rattraper ailleurs. Voilà. Je vais chercher dans le truc. Trouver une vidéo. C'est ça. Bon, tout ça c'est pas encore passé. Ben, je vais prendre tout ça. C'est pas encore passé. Tout ça c'est prévu. C'est prévu. Hein. Mais je vais, n'importe, je vais prendre cette vidéo. C'est pour, seulement pour l'exemple. Ça va. Bon, vous n'entendez rien parce que bon, c'est que moi je suis branché autrement. Je peux pas, j'ai pas de son dans mes enregistrements de capture d'écran. Et là, est-ce que dans le partage, j'ai pas le truc là. Bon, mais je vais essayer partager. Copier, moi je vais copier le lien et je vais regagner mon truc. J'ai perdu en cours de route. Ça c'est autre chose. Ça c'est la meilleure. C'est la meilleure. Il est là. Et là, bon, le lien de YouTube, URL de YouTube, je pense que il est là. Est-ce que ça va marcher? Je n'en ai aucune idée. Vidéo. C'est quoi ça? Titre de la vidéo, vidéo test, test, aperçu, créé, le problème survenu,
Voilà. Voilà, le problème. On nous fait la démonstration, ça a l'air d'être très simple. Et puis, moi j'ai mon calepin sous les yeux et je suis chaque chose à la fois. Et ça ne marche pas. Quoi, je vais revenir encore? Un quart d'heure, il y a bien un quart d'heure. Ici, nous sommes sur la page du tableau de bord. Tableau de bord, voilà ce qu'il nous dit. Tableau de bord, il faut choisir tableau de bord. Voilà, tableau de bord. Et puis, aller sur tunnel de vente. Je suis en train de lire mon calepin. Hein? Tunnel de vente. Tunnel de vente. Et je vais créer en haut à droite. Créer. Je vais saisir un truc. Comment s'organiser? Non, c'est. Voulez-vous vraiment? Protocole, comment s'organiser? Page de vente. Qu'est-ce qu'il a dit? Capture. Mail, formation YouTube. Capture. Capture page de vente. Capture. Pardon. Capture. Mail. Formation. YouTube. YouTube, formation, voilà, et faire ça, et créer. Bon, ça, je suis déjà passé deux fois, et mon problème, c'est que j'ai pas le truc, remerciement, ajouter page immersive. Pourquoi j'ai pas la même chose? Ça, c'est paramètres, réglages d'automatisation. Ça, je patauge. C'est pas ça, c'est pas cette configuration que j'ai vue. Je retrouve pas. Ah ouais. C'est ça. Oh là là. Il a dit que c'est. J'ai vu que c'était en haut à droite. En haut à droite. Donc, je suis dans la page de capture. Et je vais. La première des choses à faire, c'est chemin d'accès. Je vais sélectionner cette partie-là. Et je vais écrire. Page capture formation YouTube attachée minuscule. Page capture. Formation. YouTube. Alors, page capture. Formation YouTube complètement attaché et en minuscule entièrement. Les quatre trucs là, ça c'est pour sauvegarder, bien sûr. Je pense qu'il faut sauvegarder, je pense. Ça c'est pour voir la page, monter. Ça c'est pour modifier la page. Et ça c'est pour changer le modèle de la page. Alors, ce qu'il nous raconte, c'est modifier la page. Ben, je vais sur modifier la page. Modifier la page.
Et là, je pense que je vais tomber sur... Ah ouais, c'est exactement ça. La première des choses qu'il dit, eh bien, il faut virer ça. Virer ça, c'est comme ça qu'on fait. Hop. Parce que ça, c'est celui qui a conçu le logiciel pour de ça, et ben, il le signe, mais bon, on peut mettre notre logo à la place. Ok. Donc ça, pour le faire, bon, on peut, je pense qu'on peut cliquer là-dessus pour changer, et il nous donne automatiquement des informations pour remplir, surtout, mais c'est pas de ça que mon gars m'a parlé. Donc, je fais ça, je mets titre, en gros, ce qu'il est le titre. Le titre, normalement, c'est celui-là. Alors, je clique sur titre, mais pourquoi il me met ça? Pourquoi il me... Ça, c'est texte, ça, c'est notre, et le titre, bon. Mais il me fait n'importe quoi, hein. Là, c'est arbre, franchement, c'est arbre, bravo, hein. bravo pour la formation. Alors, je retrouve même pas, mais, oh là là. C'est pas bien organisé, malheureusement. Voilà. C'est pas bien organisé. Pourquoi il me chante? Bon, ben je vais essayer de... Alors. Rejoignez notre programme. Bon, je vais mettre rejoignez notre programme. Rejoignez notre programme. Je ne sais pas. Hop, on peut faire ça. Là, il parle d'entrée. Saisissez. Bon, on va mettre saisissez. Saisissez votre email. Dessous, et là, oui, je veux, enfin, pourquoi il est... C'est pénible, hein? C'est vraiment pénible. Modifier la page. Enlever. Changer le texte. Cliquez sur le texte. Est-ce qu'il est pas ici? Je pense que l'erreur vient du fait que je possède ici une formule récente du logiciel. Alors que la formation que j'ai vue, elle est c'est sur une ancienne formule. Ça, c'est la formule nouvelle, c'est pour ça que je ne me retrouve pas. Parce que il me mentionne qu'il y a un truc avec un T, je ne l'ai pas ici. Normalement, je comprends que si c'est un T, c'est du texte, c'est au lieu de A, c'est T. Et ça, le H, normalement, c'est ou bien c'est titre, ou bien je sais pas. Donc, je suis là, je suis en train de patauger, je suis obligé d'aller voir une autre formation, peut-être qui colle avec cette version du système IO, puisque c'est le système IO dans lequel je suis. Et voilà, ça me prend du temps. Ça, c'est pour vous montrer que, bon, quand on vous... promet quelque chose, il faut aller chercher à droite et à gauche pour essayer de vraiment de faire les choses dans les bonnes, dans la
Je perds même mes paroles. Vraiment, je suis énervé et c'est pas bon. C'est beaucoup de problèmes qu'on peut rencontrer comme ça, gratuitement. Alors que normalement, il faut quand même qu'on ait un truc complet, de A à Z. Déjà, on est des débutants. Alors pourquoi on nous complique davantage la vie? C'est pour ça que je parle toujours que l'apprenti, nous sommes des bébés. Nous ne connaissons rien. Il faut que nous apprenions la vie facile, d'une façon comme, par exemple, un bébé. Il apprend petit à petit, il n'a pas cette force d'esprit pour... Les gens, ils sont... C'est simple. Les gens, ils sont tellement habitués à travailler dessus que... Ils l'expliquent à leur niveau, c'est-à-dire c'est entre spécialistes qui le font. Et malheureusement, ça ne marche pas pour nous. On est des bébés, on doit apprendre à marcher, on doit apprendre à ramper, puis à marcher, puis à parler, puis hein, il nous faut du temps. Et si on ne prend pas, on ne nous prend pas par la main comme il le faut, on a toujours des problèmes. C'est pas ce que j'ai là, ce que je viens de constater là, c'est j'ai pas une formation, j'allais dire un mauvais mot, mais bon, c'est pas sérieux. On nous donne vraiment le béaba du truc alors que c'est très très compliqué. La méthode malheureusement n'est pas bonne. Je suis obligé de m'arrêter là parce qu'il faut que je m'entraîne vraiment pour vous montrer comment vous pouvez travailler comme je comprends moi. Je peut-être contre bébé, on peut arriver à communiquer, mais entre parents et bébé, c'est toujours très très difficile de communiquer. Je suis vraiment énervé et voilà, je perds du temps. Moi, il est 6h du matin et je travaille depuis plus d'une demi-heure alors que le gars me dit que c'est dans un quart d'heure je vais préparer ça et c'est pas vrai. Donc on nous raconte des bobards. Bon, je reviendrai une autre fois. Ça c'est pour vous montrer que on sera toujours devant des difficultés gratuites comme ça. Les gens qui nous vendent ça ne sont pas de bons, ils n'ont pas de bonne pédagogie, et c'est malheureux. C'est malheureux. Voilà. Je suis en train de me débattre en pleine nuit, je ne peux même pas réveiller des gens pour que je puisse faire le travail. Donc, voilà. Alors que les autres dorment. Moi, je suis en train de me débattre avec des difficultés gratuites. Je reviendrai pour essayer de vous expliquer tout ça d'une façon peut-être beaucoup plus pédagogique. C'est ce que je vais essayer. La première leçon que je viens d'apprendre d'après cette expérience, il faut que je trouve une très bonne méthode pour expliquer aux gens ce que mes formateurs n'ont pas su me donner. Sur ce, je m'arrête là et j'envoie la vidéo, la coupe. Ok? Allez, bye.